Mon rapport à la mode, c'est comme toutes les filles. J'aime beaucoup les beaux vêtements. J'aime beaucoup que le fait que la mode me fait rêver. Parce que quand on s'habille différemment, un peu garçonne, un peu femme fatale, on se sent différente. Et quand on met des chaussures à talons hautes, vertigineux, on a une meilleure allure. Ça, j'adore de la mode. Ça. En plus de ça, le fait que c'est Casablanca. Fashion show. Je n'ai jamais été à Casablanca. Rien que le nom, Casablanca, me fait rêver. Alors ce soir, je vais porter des créations de Roberto Cavalli. C'est un designer, un créateur italien que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vous allez voir, en fait, voilà, je porte des robes longues, une robe longue et puis une robe assez courte, très féminine. Les conseils beauté, alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que bien sûr, quand il y a toujours des recettes des grands-mères à faire, mais je ne sais pas s'ils sont adaptables de nos jours. Vous savez, les œufs, il faut casser un œuf sur les cheveux, faire un espèce de masque. Je crois que maintenant, il existe des tas de produits. Il faut juste essayer que vous trouviez le produit qui vous correspond. Moi, je suis l'image pour Pantene. C'est une marque de shampoing et après shampoing que, en fait, avant même qu'ils m'ont demandé d'être leur égérie, j'utilise déjà le produit depuis 12 ans. Donc, c'est peut-être ça le secret de mes cheveux. Et puis sinon, le reste, je sais pas. Il faut être heureuse, peut-être. Il faut essayer d'être heureuse parce que il n'y a aucune crème qui pourrait vous sauver. Ou aucun fond de teint qui pourrait camoufler quand si une personne n'a pas un joli aura ou quelque chose de positif à dégager. Voilà, il faut soigner son intérieur. Je cherche du chien, je suis mon père.